toi.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Nous poussons nos cris de joie. Tu pousses nos cris de joie. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Pousse nos cris de joie. Alléluia. Je veux qu'on chante un petit cantique. Reçois-le-moi, le parfum qui t'est dû. J'aime ce cantique bien aimé. J'aime ce cantique parce que il y a la présence de Dieu dans ce cantique. Alléluia. Alléluia. Tu fermes tes yeux. La beauté de ton nom, ton âme est perdue. Je veux être qu'à toi, Chapa Papa. Je t'aime. Sois du temps que je trouve à te dire.
adore ton Dieu, lève ta voix. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il a besoin de t'écouter, il a besoin de t'écouter. Il a besoin d'entendre ta voix. Prie maintenant, prie maintenant. Élève ta voix, élève ta voix, prie. Adore ton Dieu, loue ton Dieu. Il a besoin de t'écouter. Il a besoin d'entendre ta voix. Il a besoin de t'écouter. Prie maintenant, mon frère. Ne t'inquiète pas, ne t'arrête pas. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Alléluia. 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 Tu as dit que nous sommes guéris par ta parole. Seigneur, je te prie pour que tu sois derrière ta parole. La Bible dit que lorsque ta parole sort, elle ne répare pas toi sans qu'elle ait produit le résultat pour lequel elle a été envoyée. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur sa sœur? Bonjour à nouveau à tout le monde. Je suis dans la joie d'être en ces lieux. Je suis chez moi. Donc je ferai comme chez moi. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec toi quelque chose. En fait, c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder chez moi, un peu partout, où le Seigneur a voulu que je le fasse. Et c'est un message que j'ai reçu lorsque j'étais en séjour à Brazzaville, à Pointe-Noire plus précisément. Et je crois que le Seigneur insiste tellement dans mon cœur et je n'ai pas voulu lui résister. J'aimerais te parler au sujet de la révélation. La révélation. Quels sont les bienfaits de la révélation dans la vie d'un chrétien? Pourquoi un chrétien doit-il rechercher la révélation? Dieu nous ouvre la porte. Lorsque nous prions, et si nous avons foi, le Seigneur fera ce que nous lui demandons. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce matin, quel est le désir de ton cœur? Vous savez, quelquefois, beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de désirs. On veut s'acheter des voitures, on veut s'acheter des appartements, on veut se marier, on veut même servir Dieu. Mais quelquefois, nous oublions ce qui est essentiel pour la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que sans la révélation de Dieu, tu ne pourras pas servir Dieu.
Sans la révélation de Dieu, tu ne pourras pas mener une vie chrétienne victorieuse. Sans la révélation de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas comprendre parce que tu n'as pas la révélation. Cette église s'appelle le Réma, c'est-à-dire une parole bien distincte, c'est-à-dire la révélation. C'est ce que ça veut dire. Le Réma veut dire la révélation dans un sens plus large. Mais tu es dans cette église qu'on appelle le Réma, mais est-ce que tu es connecté au Réma? Est-ce que tu as reçu la révélation? Est-ce que tu es connecté à la pensée de Dieu? Voilà ce que j'aimerais te communiquer. Je ne sais pas si on dirait ce matin ou ce midi. Bon, tu choisis ce que tu veux. Alléluia. Amen. Mais avant de pouvoir voir qu'est-ce que c'est que la révélation, ou tout au moins quel sens est bien fait, il est quand même souhaitable que nous puissions chercher à comprendre ce que c'est que la révélation. Alors, si nous voyons dans le dictionnaire, on nous définit la révélation comme étant une expérience intérieure par laquelle on prend subitement conscience de quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui existe pour laquelle nous n'avons pas conscience. Et de manière subite, à notre intérieur, nous sommes conscients de l'existence de la chose. Et quand nous sommes conscients de l'existence d'une telle chose, on dira que nous avons la révélation de la chose. Donc par cette expérience intérieure, nous arrivons à découvrir, à connaître quelque chose qui jusque-là nous était inconnu. La Bible dit dans Jérémie 33, « Qu'invoque-moi et je te répondrai, et ainsi je te révélerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. » Donc le désir du Seigneur, c'est de nous révéler ce qui est caché. La Bible dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, mais il faut encore que tu arrives à découvrir où ta vie est cachée. La Bible dit qu'elle est cachée dans les lieux célestes. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui soit capable de te révéler quel est ton état d'âme, où est-ce que tu es, parce qu'on peut, penser être dans le ciel avec le Seigneur alors qu'on n'est pas là-bas. Alléluia. Donc c'est cette expérience par laquelle l'homme prend subitement conscience de quelque chose. Et dans le mot révélation, il y a le verbe révéler. Le verbe révéler a été traduit du verbe grec apokalyptoun, qui veut dire, dans un sens que vous connaissez, apocalypse. Donc, le mot apocalypse, dans d'autres versions, on appelle ça révélation. Ça vient du verbe grec apokalyptoun. Et le mot révéler veut dire découvrir ou dévoiler. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu nous révèle quelque chose, il ne fait que nous dévoiler ce qui était caché. Il nous permet de découvrir ce qui est caché. C'est comme une femme qui se marie. En général, on lui met un voile. Et en général, on demande à l'homme de pouvoir découvrir sa femme, de pouvoir dévoiler sa femme, pour qu'enfin il puisse la voir, pour qu'enfin il puisse la connaître. Donc, lorsque nous parlons de révélation, il y a quatre implications. La première implication nous permet de comprendre la révélation dans un sens beaucoup plus global. Donc, la révélation désigne le passage de l'obscurité à la clarté. Donc, les choses sont sombres. Tout est flou. Je mène une vie chrétienne. Je ne prospère pas. Tout semble être bloqué. Tout semble être obscur. Rien ne va. Mais par la révélation, je passe de l'état d'obscurité à un état de clarté. Elle peut être un événement, un geste ou une parole qui permet de percevoir ce qu'on ne voyait pas avant. Cela peut se passer par la parole de connaissance, par la parole de sagesse, par une prophétie. Cela peut se passer
par un événement quelconque. Ça peut être un décès, ça peut être une maladie. Vous savez, une maladie peut te permettre de découvrir beaucoup de choses concernant ta vie. Par la maladie, tu peux connaître mieux le Seigneur. Par la mort qui frappe dans ta famille, tu peux mieux connaître le Seigneur. Je ne dis pas que ce serait ton cas, c'est juste une image pour dire que la révélation peut être un événement, une parole ou un geste qui vient pour nous faire découvrir ce qui était caché. La deuxième implication, c'est que la révélation implique l'intervention de quelqu'un ou de quelque chose qui communique, qui informe ou qui fait connaître. Donc, il y a l'auteur de la révélation. La révélation ne tombe pas du ciel comme ça. Ce n'est pas le fruit du hasard. S'il y a révélation, c'est parce qu'en amont, il y a quelqu'un qui décide d'apporter cette révélation. Et celui qui apporte la révélation, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide de se montrer, c'est Dieu qui décide de faire connaître sa volonté, c'est Dieu qui décide de te faire découvrir quelque chose, c'est Dieu qui décide de te dévoiler quelque chose qui jusque-là était inconnu de toi. La troisième implication, c'est que la révélation vient pour dissiper un mystère et apporter une connaissance. Si mon peuple est détruit, c'est parce qu'il manque la connaissance. Ça veut dire que si tu n'as pas la connaissance, ben, tu es un homme mort ou une femme morte. Mais par la révélation, nous sortons de notre état d'ignorance et nous nous dirigeons vers le chemin de la connaissance. La révélation vient pour nous apporter la connaissance. Elle vient pour nous montrer les réalités et les vérités qui étaient ignorées. C'est cela le but de la révélation. La quatrième implication, c'est qu'il n'y a révélation que si quelqu'un se met à voir ou à savoir ce qui auparavant lui était obscur. Donc, si tu n'arrives pas à voir ce que tu ne pouvais pas voir avant, c'est qu'il n'y a pas eu révélation. Il y a révélation lorsque tu es maintenant capable de voir ce que tu étais incapable de voir autrefois. Autrement, il n'y a pas de révélation. Voilà les quatre implications de la révélation. Cela n'est qu'une introduction. Mais quand nous voyons maintenant dans les Écritures, en parlant de la révélation divine, là je vous ai parlé de la révélation de manière un peu globale, mais sur le plan divin, sur le plan scriptural, quand on parle de la révélation divine, on fait allusion à quoi? La révélation divine n'est autre que la manifestation de Dieu. C'est la façon que Dieu utilise, le moyen que Dieu utilise pour faire connaître aux hommes sa volonté. Dieu ne peut pas te faire connaître sa volonté s'il ne passe pas par la révélation. C'est pourquoi les hommes de Dieu, quand ils bâtissent les églises, mais ils doivent recevoir de la part de Dieu cette révélation. Parce que bâtir une église, c'est aussi la volonté de Dieu. Et comme la révélation, c'est le moyen que Dieu utilise pour communiquer à l'homme sa volonté. Et voilà pourquoi quelquefois, il y a des églises qui ferment leurs portes. Parce que ce sont des églises qui sont nées, pas parce que Dieu a parlé, mais ce sont des églises qui sont nées parce que l'homme, entre-temps, bon, on lui avait donné l'occasion de prêcher deux dimanches. Bon, par la grâce de Dieu, les démons se sont manifestés. Et quand il s'est retrouvé, seul il dit, mais je suis capable. Moi aussi, je peux faire comme le pasteur. Moi aussi, je peux créer une église. Mais il n'a pas reçu de Dieu la pensée, la révélation. Amen. Amen. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on va voir comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à David. Déjà, il s'était révélé à Moïse comme étant Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel. Moïse ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il était, je dirais, dans la maison de Pharaon, depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Il avait reçu l'éducation de Pharaon. Il ne connaissait pas Dieu.
Il avait, je dirais, une croyance polythéiste, parce que les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux. Mais un jour, le Dieu qu'Israël priait va se révéler à Moïse. Quand il va se révéler à Moïse, il va dire à Moïse que je suis l'Éternel, je suis Yahvé. Une autre fois, il va se révéler à Abraham. Il va dire que je suis Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Quelque part encore, il va se révéler comme étant Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit, Dieu qui guérit. Il va encore se révéler comme étant Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Donc à chaque fois qu'il y avait une situation, Dieu se révélait pour montrer ce qu'était réellement son identité, ce qu'était réellement sa volonté à l'homme. Ce ne sont pas les hommes qui ont collé des noms comme ça à Dieu, mais c'est Dieu qui s'est révélé de cette manière, et les gens se sont dit, puisqu'il s'est révélé de cette manière, donc moi je l'appellerai comme ceci. Pendant que Abraham s'apprêtait à tuer son enfant, une voix se fit entendre du ciel pour dire, Abraham, ne tue pas ton enfant. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu m'aimes. Et quand Abraham s'est retourné, il a vu qu'à côté il y avait un animal. Et quand il a vu l'animal, il a dit, ah, l'Éternel a pourvu. Vous voyez, Dieu s'est révélé comme étant celui qui pourvoit. La foi, ta foi dépend de la manière dont Dieu se révèle à toi. C'est pourquoi il faut chercher la révélation. Il faut prier matin, midi et soir. Demander à Dieu, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Tu ne peux pas être délivré de quelque chose dont tu n'as pas connaissance. On ne peut pas te soigner si on ne sait pas de quelle maladie tu souffres. Donc il faut qu'on puisse te révéler de quelle maladie tu souffres pour que tu sois traité. Si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne heureuse, il faut encore que Dieu te révèle quel est ton état spirituel. Où est-ce que tu te trouves? Voyez, le Seigneur a dit dans Matthieu 7 que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Parce qu'au dernier jour, ils vont dire, mais n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, c'est des gens qui sont restés tout le temps, pendant leur vie, en train de chasser les démons, en train de chanter, en train de prêcher, mais ils ne connaissaient pas leur état d'âme. Mais il faut chercher à connaître son état d'âme pendant qu'il est temps, pendant que tu en vis. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour que le Seigneur te révèle qui es-tu et quel est ton état d'âme. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pourquoi il faut chercher à recevoir la révélation venant du Seigneur. Il faut prier pour cela, bien-aimé. Vous voyez, dans Jean 3, du verset 1 au verset 10, tu liras à la maison, on nous parle de Nicodème. Nicodème, qui était un érudit, quelqu'un qui, il était docteur de la loi, il connaissait la loi des Israélites. Il connaissait la parole de Dieu. Mais quand il a vu Jésus parler, quand il a vu Jésus prêcher, de nuit, il est allé le trouver pour dire, mais maître, personne ne lui avait dit qu'il s'appelait maître. Mais il est allé trouver Jésus, il dit, maître, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Les Israélites avaient une certaine idée du salut. Pour eux, le salut, c'était voir le sauveur descendre avec son cheval, avec sa cuirasse, avec son épée, avec son bouclier, et venir faire la guerre aux Romains. Voilà l'idée qu'ils avaient du salut. Mais ils ne pouvaient pas un seul instant s'imaginer que le salut était spirituel. Révélation, je ne sais pas comment j'allais le faire.
voyez l'importance de la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, les Juifs s'imaginaient un jour voir un sauveur, hein, qui allait avoir sur lui la cuirasse, une grosse épée, un casque, un bouclier, un homme à l'image de Goliath qui allait descendre pour venir les délivrer. C'est pourquoi d'ailleurs ils se sont posé des questions, dit, mais nous on pensait que le sauveur c'est quelqu'un qui devait venir avec une grande armée, mais il est venu tout seul. Comment il peut faire pour nous sauver de là? Mais ils ne pensaient pas un seul instant que la délivrance qui leur était promise était une délivrance spirituelle. C'était la délivrance de leur âme. Le salut, c'est la délivrance suprême. Et quand Nicodème va entendre ces paroles, il va interroger Jésus, mais Jésus, mais tu me dis qu'il faut que je naisse de nouveau. Mais est-ce qu'il faille que je puisse rentrer dans le ventre de ma mère pour sortir à nouveau? Le Seigneur dit, non, tu es un docteur, mais ces choses-là, tu ne peux pas les comprendre. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses. C'est pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de problèmes, quelquefois des mésententes avec les pasteurs, parce que nous ne vivons pas sur la même longueur d'onde. Parce que nous n'avons pas la même pensée des choses. Nous n'avons pas la même révélation des choses. Et Nicodème était là, ces choses lui étaient inconnues. Et c'est ce jour-là qu'il était sauvé. Parce que depuis, il pouvait dire qu'il était serviteur de Dieu, mais il n'était pas du tout sauvé. C'est lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a reçu cette révélation, que finalement il a reçu le salut. Nous avons besoin qu'on nous revêt des choses. C'est d'ailleurs pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes s'orienter vers les voyants, s'orienter vers les occultistes, s'orienter vers les marabouts, vers les devins. Parce que dans l'homme, il y a cette soif-là. L'homme veut communiquer avec le Seigneur. L'homme veut communiquer avec Dieu. Mais bien aimé, je veux te dire que ne cherche pas à communiquer avec Dieu par un homme. Mais cherche, depuis que Jésus est mort, la Bible dit que le rideau qui sépare du lieu saint, du lieu très saint, a été déchiré. Et maintenant, tu es aussi sacrificateur. Toi aussi, tu peux aller dans le lieu très saint pour recevoir de la part de Dieu quelque chose, une pensée te concernant. L'opportunité est accordée à tout le monde. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas réservé à un groupe d'individus. Tu es aussi concerné. Cette histoire te concerne aussi. Toi aussi, tu peux recevoir de la part du Seigneur quelque chose. Amen. Voyez, il y a un pasteur qui était très fort. Ce pasteur-là, lorsqu'il prêchait, en tout cas, il dégageait une énergie, il dégageait une onction. Quand il priait, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Il glorifiait Dieu. Mais un jour, le Seigneur va lui montrer en vision. Le Seigneur va lui dire, tu es content parce que lorsque tu pries, les démons s'en vont. Il dit, oui Seigneur, je te bénis pour cela. Le Dieu va lui dire, mais ce n'est pas à cause de toi que je le fais. Ce n'est pas à cause de toi que je le fais. Il dit, bon, tu vois dans la salle, tu vois la vieille dame, la vieille maman qui est là-bas. Quelquefois, toi, tu ne lui dis pas bonjour, hein. Quelquefois, elle vient là, bon, c'est une vieille dame, c'est une, comme on dit en France, c'est une mamie. On la laisse là-bas dans un coin. Mais c'est grâce à cette mamie-là que ce pasteur-là, ouais, parce que cette mamie-là, la femme que tu vois, elle a fait un vœu devant moi. Elle a dit, je ne travaille plus, donc je ne peux plus donner ma dîme. Je n'ai plus assez de force pour faire ce que les jeunes font. Mais ce que je peux encore faire, c'est la prière. Amen. Donc moi, je vais prier pour l'homme de Dieu. Amen. Et cette femme-là, chaque semaine, elle jeûnait, elle priait pour l'homme de Dieu. Amen. Et à cause de cela, Dieu a commencé à bénir l'homme de Dieu. Quelquefois, la bénédiction que tu as ne vient pas de toi. Quelquefois, c'est le pasteur. Quelquefois, c'est ton frère. Quelquefois, ce sont tes enfants qui prient pour toi. Mais toi, tu es ignorant de cela. Mais lorsque le Seigneur lui avait révélé cela, l'attitude du pasteur avait changé. Qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire? Le Seigneur voulait dire, oui, tu as l'onction, mais tu ne pries pas assez. Donc il faut que tu commences à prier. Parce que quand cette maman va décéder, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà la révélation.
Ce pasteur ne connaissait pas ces choses. Il ne connaissait pas ces choses. Mais Dieu lui a permis de voir cela pour qu'il prenne conscience. Il dit, ah bon? Donc ce n'est que par grâce. Si j'arrive à prêcher, ce n'est que par grâce si j'arrive à chasser le démon. Et c'est parce qu'il y a cette maman. Alors donc moi aussi je dois me mettre en prière. Et il y a eu un déclic. Ce pasteur-là a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Parce qu'il y a eu cette révélation. Dans ta vie de couple, vous savez, quelquefois les gens se bagarrent dans leur couple parce qu'il n'y a pas la révélation. Parce que toi, en tant qu'homme, tu n'as pas la révélation de ta femme en tant qu'aide. Tu n'as pas la révélation de ta femme en tant qu'épouse. Tu as la révélation de ta femme en tant que partenaire dans le sexe. Ça s'arrête là. Mais tu n'as pas la révélation de ton épouse comme étant une aide. Voilà pourquoi ça coince dans ton foyer. Voilà pourquoi ça coince dans ton mariage. Parce que l'image que tu as de ta femme, elle est différente de celle que Dieu lui a donnée. Amen. Mais si tu veux réellement connaître ta femme, prie, demande à Dieu et Dieu va te révéler qui est ta femme. Amen. Qui est-elle réellement? Amen. Et quand tu auras découvert qui est réellement ta femme, tu lui voudras du respect. Amen. Tu vas l'aimer. Alléluia. Amen, papa. Vous savez, Adam, la Bible dit qu'il était dans un profond sommeil. Mais pendant qu'il était endormi, Dieu avait préparé Ève. Donc tout ce que Dieu faisait, Adam n'était pas au courant. Il était dans un sommeil, il était dans une obscurité. Mais lorsque Dieu va le ramener de son obscurité, de son sommeil, il va le sortir de son sommeil. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, ce n'est pas Dieu qui lui avait jeté à l'oreille, mais Dieu avait mis cette pensée dans l'esprit d'Adam. Quand Adam a vu Ève, il a dit, oh, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais qui lui avait dit qu'Adam Ève était os de ses os et chair de sa chair? C'était la révélation, c'était la pensée que Dieu avait injectée dans son esprit. Et quand il a dit ça, tout de suite il a commencé à aimer Ève. Parce que c'est la vision qu'il avait reçue de Ève. Et toi, femme, il faut aussi que tu pries pour que tu reçoives la révélation de ton époux. La Bible dit que ton époux est le chef de la famille. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Ton époux est le chef. Ça veut dire que après Dieu dans ta maison, c'est lui. Amen. Donc après Dieu, c'est lui. Bon, toi, tu as une autre révélation de ton mari. Tu as, je ne sais pas quelle révélation as-tu reçue de ton mari. Toi-même, tu le sais. Mais je te prie, ma soeur, de demander à Dieu pour qu'il te révèle, pour qu'il te montre réellement qui est ton mari. Parce que lorsque tu l'auras su, mais tu vas te soumettre. Tu ne vas pas dire égalité de l'homme et de la femme. Tu vas te soumettre. Par amour pour ton Dieu. Parce que tu as reçu cette pensée, tu as reçu cette révélation. Amen. Mais tu ne vas pas te lever pendant que ton mari est assis. Toi, tu es déjà debout. Non. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Dieu a dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Mais Dieu n'a pas dit à l'homme, piétinez vos femmes. Il a dit, aimez vos femmes. Quand tu pries, quelquefois, nous disons ces choses-là sans les comprendre. Mais il faut que tu pries pour que tu ouvres tes yeux, pour que tu sois capable de voir que ta femme n'est pas un paillasson.
pour son mari. Amen. Et quand tu pries, tu demandes la révélation. Dieu va te dire à toi, frère, tu es marié? Oui. D'accord. Dieu va te dire, elle est là ta femme? D'accord. Donc, dès que tu vois ta femme là, si tu reçois la révélation, tu ne la verras plus comme ça. La Bible dit qu'elle est une aide. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que quelqu'un qui est faible peut t'aider? Si quelqu'un t'aide, c'est qu'il est plus fort que toi. Ta femme comme quelqu'un qui doit rester là-bas, comme un idole. Non, tu la verras comme une grande dame. Et tu vas l'aimer, tu vas la respecter. C'est cela la révélation. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses. La Bible dit qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Vous avez des yeux, vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas. Mais demandez à l'Esprit de Dieu, demandez à Dieu, Dieu va te révéler. Il va te révéler, il va te montrer des choses qui sont cachées. Vous savez, il y a un homme, un jeune homme, il est devenu évangéliste. Lui, il avait dit de sa vie qu'il allait être comme Paul. Il dit, je ne vais pas me marier. Ah, tu es dur, tu es fort, tu ne vas pas te marier. C'est pas un problème. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu décides de ne pas te marier? Vous savez, il y a des frères, quelquefois, lorsqu'on leur pose la question, quand est-ce que tu te maries? Ils disent, pasteur, je prie encore. Ah, frère, il ne faut pas continuer, continuer à rester sur le sycomore. Vous voyez, sachez être sur le sycomore. Quand il a vu Jésus, il a dit, hâte-toi de descendre. Mais il y a des gens à qui Dieu a dit, descends, il dit, non, moi je préfère rester sur le sycomore. Mais quand Zachée a entendu ça, il est descendu. Je continue à prier, je ne veux pas me marier. Mais c'était un jeune qui aimait Dieu, il aimait la prière. Et puis, un jour, il devrait aller à une convention. Ils ont fixé rendez-vous à l'église, il y avait un bus qui allait les chercher. Alors, il était en retard, il court, il arrive là où il y a le bus, il n'y avait plus de place. Vous voyez, là où il y a les passagers, il n'y avait plus de place. Mais il y avait une seule place, en cabine. On dit, mais non, mais tu ne peux pas rester là-bas en cabine. Lorsqu'il arrive en cabine, il y avait une sœur à côté. Une sœur était assise. Et lui, en tout cas, c'est le genre de frère spirituel qui n'aime pas parler aux sœurs. Et il était gêné. Il était gêné. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire là? Alors, on dit, mais il n'y a plus que cette place. Si tu ne montes pas, tu restes. Il était obligé de monter. Il y a la volonté coercitive de Dieu. Hein. La volonté coercitive, elle existe. Alors, quand il monte, et il devait avoir 4 ou 5 heures de route, sans arrêt. Derrière, ça discutait, ça chantait. Et lui, il était le chauffeur, c'est quelqu'un qu'on a loué. Bon, comment il ne pouvait pas rester comme ça, silencieux, pendant 4 ou 5 heures? La volonté est coercitive. Et puis, bon, pendant 30 minutes, il était silencieux, mais un certain homme dit, bon, je ne peux pas rester comme ça. Il a commencé à parler à la soeur. Ça va, oui, mais ça va, ça va. Et puis, bon, chemin faisant, ils arrivent à destination, ils sortent. Lui, il est allé chercher, je ne sais pas si c'était un sandwich qui est ou pas. Et pendant qu'il revient, il était encore en retard. Il était encore en retard. Il arrive dans la salle où il y avait la convention, toutes les places étaient occupées. Mais l'accueil lui dit, il y a une place là-bas, il y a une place là-bas. Bon, vous savez, quand on arrive, il y a du monde, on ne fait pas attention, on n'ose pas trop déranger, regarder les gens. On se contente de se faufiler. Et lui, il se faufile, il vient, il s'assoit. Quand il se retourne, c'était la même fille. C'était la même fille. Et quand il a écrit son livre, il dit que pendant toute la durée de la convention, je n'écoutais plus le pasteur. Et quand je me suis assis à côté de la sœur, je me retournais, je la regardais. Je me retournais. Et plus je la regardais, alors l'amour a commencé à venir. L'amour a commencé à venir. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à remarquer qu'elle avait des beaux cheveux, qu'elle avait un beau regard, qu'elle avait des joues bien, bien faites. Et finalement, ils se sont mariés.
Le Seigneur n'a qu'une idée en tête, c'est de te faire comprendre ce que lui veut pour toi. Amen. Et cela passe par la révélation. Amen. Hein? La révélation, bien aimé, nous sort de l'ignorance, je viens de le dire. Osée a dit que si nous mourons, c'est parce que nous n'avons pas de connaissance. Et quand Osée parle de connaissance, il ne s'agit pas de la connaissance que nous obtenons à l'école. Il ne s'agit pas de la connaissance que l'homme peut nous communiquer, mais il s'agit de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions avoir. La Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Proverbe 29, 18. Si tu n'as pas de révélation, tu es sans frein. Tu es semblable à une voiture qui n'a pas de frein. Ça veut dire que tu n'auras pas de retenue. S'il n'y a pas de révélation, qu'est-ce qui va se passer? Facilement, tu vas draguer une fille dans la rue. Il n'y a pas de retenue. Parce que il n'y a aucune promesse qui est attachée à ta vie. Il n'y a aucune révélation. Tu seras libre de faire ce que tu veux parce que tu te dis, mais il n'y a rien. Il n'y a rien sur quoi je peux me baser. Je peux me permettre de faire ce que je veux. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple qui n'a pas de frein. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Imagine-toi un seul instant, tu es dans une voiture qui n'a plus le frein. Tu arrives à 100 à l'heure et devant toi il y a ton enfant. Mais tu ne pourras pas t'empêcher de tuer ton enfant. Tu vas le tuer. Même si tu ne le veux pas, tu le tueras. Parce que malgré ta volonté, mais tes pieds n'arriveront pas à arrêter la voiture parce que ta voiture n'a pas de frein et tu vas tuer ton enfant. Voilà le danger lorsqu'on n'a pas la révélation. C'est qu'on n'a pas de frein. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. La révélation nous permet de connaître Dieu différemment. Jésus l'avait dit à Pierre. Vous savez, dans Matthieu 16, 13 à 17, quand Jésus avait dit, mais les gens disent que je suis Jérémie. Il y en a qui disent que je suis Élie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pierre va se lever et dire, oh Seigneur, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, oh Pierre, ce ne sont pas la chair, mais le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé ma véritable identité. Et puisque il avait reçu cette révélation, quelque chose va se passer dans la vie de Pierre. Jésus va dire, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'on ne peut pas donner les clés de l'église à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voyez, entre temps, Jésus n'avait pas encore donné les clés de l'église à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore cette révélation. C'est lorsqu'il a reçu la révélation, alors Jésus va dire, maintenant le moment est arrivé. Tu es prêt. Tu es prêt. Je te donne les clés de l'église. Une autre fois, il a dit, mais si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas entrer. Tout le monde a fui. Mais Pierre et les autres étaient là. Et Jésus leur pose la question, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Dit, mais non, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Voyez, ils ont reçu cette révélation de Jésus qui a les paroles de la vie. Si tu fouilles l'église, c'est parce que tu, je ne sais pas quelle est la révélation que tu as de Dieu. Mais si tu as la bonne révélation de Dieu, tu ne pourras pas fouiller l'église. Tu ne pourras pas abandonner ton église. Parce que tu ne viens pas pour le pasteur. Tu viens parce que tu viens pour servir ton Dieu. Tu viens pour adorer ton Dieu. C'est cette révélation-là qui va te faire marcher. Il faut marcher par la révélation. Il faut marcher par la révélation. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas croire en Dieu comme tout le monde. Voilà le but. Nous ne pouvons pas croire en Dieu comme tout le monde croit en Dieu. Or, tu ne dois pas avoir la foi populaire. Tu ne dois pas avoir la foi populaire. Il faut, bien aimé, que tu arrives à croire en Dieu de manière particulière. Amen. Nous ne pouvons pas croire en Dieu comme tout le monde, mais la croyance en Dieu, en tant que notre Père, vient de la révélation de sa personne et de la manière dont il se révèle à nous. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu seras incapable de témoigner. Tu seras incapable de dire aux gens, voilà, Dieu est comme ça, parce qu'il ne s'est pas révélé, il ne s'est pas montré à toi. Vous
savez, même Job, un jour, il a dit, pendant longtemps, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Vous voyez, avant, il entendait parler. Mais maintenant, il est capable de le voir. Ça veut dire que Dieu se montre. Dieu se révèle. Bien-aimé, il faut chercher cela. Il faut chercher cela. Mais cela ne dépend pas du pasteur. C'est toi-même. C'est ton problème avec ton Dieu. C'est à toi de prier. C'est à toi de jeûner. C'est à toi de chercher la face de Dieu pour qu'il se montre à toi. Il faut bien qu'il se montre à toi. C'est le prix à payer pour que ta vie change. C'est le prix à payer pour que ta vie prenne une autre direction. C'est le prix à payer, la révélation. Tu ne peux pas être guéri si tu ne crois pas en Dieu comme celui qui guérit. Si tu n'as pas cette révélation de Dieu comme étant celui qui guérit, mais tu ne peux pas être guéri. Tu vas rester longtemps, longtemps malade, mais la guérison ne viendra pas parce que la révélation facilite notre guérison. Vous voyez cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle est allée partout. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, vous voyez, elle était connectée à l'Esprit de Dieu. L'Esprit va lui dire, voyez, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il vient nous chuchoter à l'oreille. Personne n'avait parlé à cette dame. Mais le Saint-Esprit est venu. Il a dit à cette dame, écoute, ça fait 12 ans que tu souffres. Tu es allé voir des médecins, pas de solution. Tu es allé voir des marabouts, pas de solution. Bon, peut-être que les pasteurs t'ont imposé les mains, les talons, les coudes. Pas de problème. Mais, maintenant là, va seulement toucher au pont de sa tunique. Voyez, c'est ça le réma. C'est ça la pensée particulière. Nous ne voulons pas des pensées populaires. On veut des choses claires. Des choses claires, personnalisées. Et quand le Saint-Esprit lui a dit ça, cette dame est allée. Elle est allée, elle a touché le vêtement de Jésus. Vous voyez, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Il a dit, qui m'a touché? Il dit, oh, mais Seigneur, tout le monde est en train de te toucher là. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché de manière particulière. C'est ça le toucher de la révélation. Nous connaissons cet homme qu'on appelle Bartimée. Si vous lisez dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament tout au moins, on nous parle des gens qui étaient guéris. Des aveugles, des boiteux. Mais jamais on ne citait leur nom. Mais quand on arrive au niveau de Bartimée, on va citer son nom. Lisez, faites l'expérience. Je ne vous dis pas des mensonges. Allez lire de Matthieu à Apocalypse. Vous allez voir, les gens étaient guéris. Mais on dit toujours, il y avait un boiteux, un paralytique. Mais quand on arrive à Marc 10, on dit que cet homme s'appelait Bartimée et fils de Timée. Pourquoi? Cet homme-là était malade. La Bible dit que pendant beaucoup d'années, il s'asseyait au bord de la route. Parce qu'il avait l'habitude de quémander. Il n'avait pas de force pour aller travailler. Lorsqu'on est aveugle, bien aimé, mais c'est horrible. On ne peut même pas choisir ses vêtements. On ne peut même pas choisir sa femme. C'est pénible. On ne peut pas aller travailler. Et on est réduit à un mendiant. On fait la manche. On fait la manche. Mais ce jour-là, il y a toujours un jour. Bien-aimé, il y a toujours un jour. Le diable peut faire de toi un aveugle, mais tu peux entendre. Si le diable fait de toi un sourd, tu peux parler. Si le diable fait de toi un muet, tu peux voir. Donc, le diable peut verrouiller à gauche, mais il ne pourra pas verrouiller à droite. Vous voyez, cet homme était aveugle, mais il pouvait entendre. Voilà son avantage. C'est pourquoi lorsque tu es dans la désolation, quand tu es dans la tristesse, ne vois pas ce qui te fait mal, mais toi cherche à voir ce qui te fera du bien. Amen. Cherche à trouver dans ce qui est mauvais ce qui est bien. Oui, c'est vrai que je ne peux pas marcher, mais je peux parler. C'est vrai que je ne travaille pas, mais je peux prier. Amen. C'est vrai que je n'ai pas de papier dans ce pays, mais il n'y a pas de problème, j'ai le souffle de vie. Amen. Donc je peux prier, je peux crier à Dieu. Et lui qui est l'auteur de toutes choses, il peut faire quelque chose. Amen. Et cet homme
lorsqu'il va entendre un bruit, va dire, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Il touche les gens, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Il dit, ah, Jésus, mais je ne raterai pas cette occasion. Amen. Mais c'est Jésus qui passe par là et il a commencé à crier. Pendant qu'il criait, les gens sont venus le voir et dit, mais non, toi, tu n'as pas droit à ça. Il n'y a que nous qui pouvons bénéficier de ça. Mais tu ne peux pas, tu n'as pas droit à la vision. Tu restes là. Tu vas continuer le mort, faire la manche. Il y a des gens comme ça. Il y a des chrétiens dans l'église qui voient les autres qui disent, toi, tu vas rester là. Tu vas seulement rester là. Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas de papier. Tu n'auras pas de travail. Il faut que tu viennes me demander Dieu au chef du matin. Il a dit, mais non, moi je veux le voir, je veux le voir, faut que je le voie. Les gens lui ont dit, mais non, 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 les choses précieuses, on les donne pas aux chiens. Il n'y a pas de problème, et cette femme avait dit, je peux me contenter des miettes. Il n'y a pas de problème, mais je veux voir Jésus. Amen. Alors, puisque les gens l'empêchaient de voir Jésus, le Saint-Esprit encore est venu. Il a dit, bon, c'est pas un problème. Là, on ne veut pas que tu vois Jésus. Tu es en train de crier, les gens ne t'écoutent pas, même Jésus ne t'écoute pas. Ce n'est pas un problème. Je te montre un secret. Il chuchote à l'oreille. Et après, quand il a entendu ça, il a dit, ah bon, maintenant il va changer de manière. Il va crier Jésus! Jésus, fils de David. Ah, quand Jésus a entendu ça, il dit, oh, appelez-le, appelez-le. Et pourtant, il y avait un bruit. Rien n'avait changé. Il y avait le même bruit qui empêchait Jésus d'entendre. Mais quand dans le même bruit, Jésus a entendu, fils de David, il s'est dit, mais personne ne m'a jamais appelé comme ça. Mais d'où il était cela? Donc, cet homme-là a reçu quelque chose de mon père. On dit, prends courage. Les gens qui nous disaient, tu vas rester là. Tu ne vas pas marcher. Tu vas rester là. C'est les mêmes qui sont venus lui dire, oh, prends courage, car le maître t'appelle. On a commencé à l'escorter. Il était là, il est regardé. Il est regardé. Ceux qui disaient que tu ne vas pas te marier, ce sont les mêmes qui viendront prendre ton voix. Ce sont les mêmes qui vont porter tes enfants. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Pour qu'on sache que c'est un miracle, il faut que ceux qui s'opposaient à toi l'acceptent. Alléluia. Et quand Jésus a entendu ça, il a dit, oh, mais je ne peux pas laisser cet homme comme ça, mais il est le dépositaire de la révélation de mon Père. Il a dit, non, viens. Il dit, bon, mais toi, que veux-tu? Vous voyez, quand on a la révélation, les choses deviennent claires. Et ça, on te demande ton choix. Parce que les miracles populaires, je n'en veux pas. Moi, je veux un miracle personnel. Qu'est-ce que tu veux? Si on t'avait posé cette question-là, oh non, bon, moi, je veux des papiers. Bon, moi, je veux. Non, non, non. Les papiers viendront, il n'y a pas de problème. Il ordonnera un préfet de t'appeler. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Seigneur, la clé de toutes choses, c'est ma vue. Que je m'éprouve la vue. Il dit, bon, tu es guéri? Et instantanément, il fut guéri. Amen. Et quand il va guérir, le Saint-Esprit revient. Il dit, bon, maintenant, tu es guéri. Débarrasse-toi de ton manteau. Il va sauter. Il va prendre le manteau, le vieux manteau qu'il avait, il va le jeter. Il dit, oh, mais je ne peux plus. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu la visitation de Dieu, mais ils continuent à garder leur vieux manteau. C'est-à-dire leur vieille nature. Voyez, quand Dieu t'a béni, oui, mais tu es béni, ne te cache pas. Mais ne te cache pas, mais Dieu t'a béni. Mais toi, chaque matin, tu manges les grecs. Non, mange correctement. Mange correctement, puisque tu as été béni. Alléluia. Dieu t'a béni. Mais tu vas au boulot, tu es obligé de te réveiller. Achète-toi une voiture, puisque tu as été béni. Jette le vieux manteau. Et non. Si je garde ce vieux manteau-là,
Par erreur, quelqu'un vient de dire, oh, Bartimée, Bartimée, il dit non. Bien quelqu'un vient de donner ton corps, il vient de mon âme. Il dit, je n'en veux plus de vous. Parce que je suis quand même. Parce que j'ai été béni. Amen. Hein? Amen. La révélation nous préserve. Vous voyez, dans Genèse 37, 1 à 11, on nous parle de Joseph. Joseph était le plus petit de tous. Un jour, pendant qu'il était avec ses frères, il va leur dire, écoutez, Dieu m'a parlé la nuit. Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré que les étoiles, le soleil, la lune se prosternaient devant moi. Ah bon? Et une autre fois, il dit, nous étions ensemble, vous aviez tous des gerbes dans vos mains. Moi aussi, j'en avais une. Et vos gerbes ont commencé à se prosterner devant la mienne. Et à cause de cela, les frères vont être jaloux. Ils vont le vendre. Ils vont le vendre aux marchands d'esclaves, les Amalécites, qui eux, à leur tour, vont le vendre à Potiphar. Et quand ils rentrent, ils vont tuer une bête, ils prennent le manteau de Joseph. C'est le manteau que son père lui avait donné, parce qu'il aimait. C'était un manteau multicolore. Là aussi, il y a plein de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais avec ce manteau-là, ils vont prendre du sang de l'animal qu'ils avaient tué, ils le prennent sur le manteau, ils vont présenter à Jacob, dire, voilà, ton fils est décédé. Parce qu'il voulait le tuer, mais il y a un rebelle qui dit, non, ne le tuons pas, c'est quand même notre frère. Quand tu reçois la révélation, même si les gens veulent te touffer, il y aura toujours un rebelle. Alléluia. On ne peut pas faire plus que ça. Pourquoi? Ce n'est pas un rebelle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a répondu. Le rebelle a dit, ne le tuons pas. Parce que dans la vie de Joseph, il y avait plein de choses. Première partie de l'histoire. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit que tout ce qu'il touchait prospérait. Il est même devenu premier ministre plus tard. Mais avant cela, quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la femme de Potiphar est venue pour lui faire la cour. Il dit non, il faut que tu sortes avec moi. Vous savez, spirituellement, lorsque tu vas avec la femme de quelqu'un, tu as une emprise sur la personne. C'est pourquoi certains chefs d'État en Afrique se sont permis d'aller avec les femmes de tous leurs ministres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le fait spirituellement, on prend de l'ascendant sur eux. Ils connaissaient ce principe. C'est pourquoi, si vous lisez dans Deutéronome, la Bible dit que parmi les malédictions, Dieu permettra à d'autres hommes d'aller avec ta femme. Donc c'est une malédiction. Ça veut dire que si d'autres hommes vont avec ta femme, c'est qu'il y a un problème, pas au niveau de la femme, c'est au niveau de l'homme. Ah, c'est aussi ça la révélation. Ah oui, les gens sont étonnés. Ah. C'est que l'homme cherche. Moi, je fais confiance aux femmes. Vous savez, une femme, quand elle aime, elle l'aime. Le cœur de la femme a été fait pour aimer un seul homme. Le cœur de l'homme a été fait pour aimer une seule femme. Mais le diable est venu diviser le cœur de l'homme. Maintenant, l'homme peut aimer plusieurs femmes. Mais il ne doit pas aimer plusieurs femmes. Amen. Il ne doit pas. Mais une femme, la plupart des femmes, moi j'en ai connu beaucoup, qui ont fini par tromper leur mari. En général, c'est parce que leur mari les a d'abord trompés. C'est des femmes qui se sont senties trahies. Mais ça ne peut pas se passer au milieu de nous, parce que chez nous, les maris ne trahissent pas. Donc, amen, amen. Amen. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, Joseph, il va se retrouver devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, non, tu vas sortir avec moi. Il dit, non, je ne peux pas sortir avec toi. Je sais que tu es belle, mais je ne peux pas me le permettre. La femme a insisté. La femme a insisté. La femme a insisté. Elle est allée jusqu'à le prendre dans ses bras. Elle dit, tu vas sortir avec lui. Elle dit, non, je ne peux pas. Et pour ne pas passer à l'acte, c'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut fuir, il faut apprendre à fuir. Il ne faut pas dire que je vais prier en langue. Moi, le jour où je me faisais baptiser, on nous avait posé la question, bon, on vous met dans une pièce. Fille, garçon, comme ça, vous restez là pendant des jours. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un frère qui dit, ah, moi je vais continuer à prier en langue. Je dis, mais tu vas commencer à prier en langue à 10h, à 11h, tu vas te fatiguer. La sœur sera toujours là. Si tu arrives à prier toute la journée, le lendemain, la sœur sera toujours là. Non, il faut plutôt fuir. Et c'est le principe de la fuite devant le péché.
La seule chose face à laquelle tu peux fuir, c'est le péché. Oui, le démon, tu n'as pas fui les démons parce que tu as reçu l'autorité. Mais le péché, attention, il faut fuir. Alléluia. Et quand finalement Joseph a dit non, je ne peux pas sortir avec toi, la femme va le saisir jusqu'à ce qu'il prenne la fuite et il va laisser sans vêtements. Vous savez pourquoi Joseph a fui? Vous savez pourquoi Joseph s'était refusé d'aller avec cette femme-là? C'est parce qu'un jour, Dieu lui avait montré quelque chose. Dieu lui avait montré le soleil, la lune, qui se prosternait devant lui. Et quand la femme de Potiphar le prenait, lui voyait le soleil qui se prosternait devant lui. Lui voyait la lune, lui voyait les gerbes qui étaient dans les mains de ses frères se prosterner devant la sienne. Donc, il voyait la gloire, il voyait la renommée, il voyait le pouvoir, il voyait l'autorité, il voyait la richesse, il voyait la grandeur. Il dit, mais non, mais je ne peux pas abandonner cela pour un plaisir de quelques secondes. Je ne peux pas. Mais si Dieu ne lui avait pas montré cela, il serait tombé. Parce que sa vie était attachée à une promesse. Sa vie était attachée à quelque chose. Il s'est dit, mais non, mais si je fais ça, je rate ce que le Seigneur m'a promis. Voilà pourquoi il faut chercher que Dieu te parle. Parce que si Dieu te parle, lorsqu'une sœur viendra avec une mini-jupe devant toi, toi tu vas dire, mais non, mais moi je ne vois pas ça. Moi je vois ce que le Seigneur m'a réservé. Je vois ce que le Seigneur m'a promis. C'est ça qu'il me faut. Ce n'est pas un plaisir de quelques secondes, mais c'est ce qu'il me faut, ce que le Seigneur m'a montré. Peut-être qu'un jour Dieu va te montrer que tu es en train de prêcher devant une grande foule. Tu as vu cela, mais ta vie va changer. Tu vas maintenant commencer à vivre. Tu vas commencer à te comporter pour que cette vision-là s'accomplisse. Pour que cette vision-là s'accomplisse, tu vas commencer à vivre pour que cela arrive. Tu vas dire, mais Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Tu m'as montré un jour que j'étais en public, j'étais devant une foule, j'étais en train de prêcher, et quand je priais, les démons partaient, les malades étaient guéris. Mais Seigneur, il faut que cela arrive. Amen. Et quand une gringalée viendra devant toi pour te faire la cour, tu diras non, non, parce que moi j'ai la bonne part, j'ai la bonne part, et le Seigneur me l'a montré. Alléluia. C'est la révélation qui avait préservé la vie de Joseph. Alléluia. La révélation change notre adoration. Vous voyez cette femme-là qui était rentrée dans la maison du publicain. Et quand elle est rentrée, elle avait un gros vase dans lequel il y avait du parfum de l'albâtre, un parfum cher. Là-dedans, il y avait peut-être toutes ses économies. Hein? Mais quand elle est rentrée dans la maison, personne ne lui a dit. Personne ne lui a dit. Mais l'Esprit lui a dit, celui-là, c'est le maître. Et elle est rentrée, elle s'est agenouillée, elle a cassé le parfum. Elle a commencé à répondre. À répondre. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu cette révélation-là. Vous voyez, dans les églises, quelquefois, lorsque nous adorons, on a des gens qui sont comme ça. Oui, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu connais le Seigneur, quand le Seigneur se révèle à toi, pendant qu'on chante, mais tu ne vas pas attendre qu'on te dise « chante ». Tu ne vas pas attendre qu'on te dise « prie de toi-même ». Ça va couler parce que tu as reçu, tu sais qu'on est en train d'adorer ce Dieu-là. Donc, toi, moi, quand quelqu'un, moi, je priais dans une église, ce frère-là, il était congolais. Bon, je ne sais pas si tous les congolais sont comme ça, mais pendant qu'on adorait, lui, il faisait ça. Et il aimait bien s'asseoir devant. Frère, vous qui vous asseyez devant, là, faut montrer l'exemple. Parce que, quelquefois, l'adoration est bloquée à cause de vous. Je vous dis la vérité. Les gens vous voient et vous n'adorez pas. Vous dites, nous, on peut faire pareil. Mais quand cette rangée-là adore, vous voyez, il y a un effet de propagation. Amen. La deuxième rangée va dire, mais ceux-là, ils sont devant nous là, mais il faut que nous en imite. Et ainsi de suite. Il y a un effet d'ébranlement. Et là, toute la salle se met en feu et commence à adorer le Seigneur. Donc, par la révélation, j'adore Dieu autrement. J'adore Dieu autrement. J'adore Dieu autrement.
Et quand la louange se met à chanter, mais je suis en connexion avec la louange et je me mets à chanter, je me mets à adorer parce que je sais que je n'adore pas pour la louange, je n'adore pas pour le pasteur, mais j'adore ce Dieu-là qui s'est montré à moi. C'est pourquoi, si tu veux que ton adoration change, prie le Seigneur, demande à Dieu de se révéler à toi. Quand il va, vous savez, à chaque fois que Dieu se révélait aux anciens, il dressait un autel. Il dressait un autel. Alléluia. Il descend l'autel, il dit, mais non, Dieu s'est révélé à moi, mais je ne peux pas me contenter de faire ça. Nous connaissons la vision de l'échelle de Jacob. Amen. Pendant qu'il dormait, il a vu une vision, il a vu une échelle, les anges descendaient et remontaient. Et quand il s'est révélé, assurément Dieu est ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel. Amen. Il a bâti un autel, dit, je vais l'adorer. Il faut arriver à bâtir des autels dans nos vies. C'est-à-dire, créer des moments d'adoration. Mais cela passe par la révélation. Sans le Saint-Esprit, tout est rouillé. Vous voyez, le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle du lubrifiant. Quand vous avez une vieille machine qui a rouillé, pour la faire fonctionner, c'est un problème. Mais il faut mettre du lubrifiant, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est-à-dire la révélation. Et là, ça commence à fonctionner sans problème. Alléluia. Amen. La révélation, bien-aimée, nous donne la victoire. Nous connaissons Gédéon. Gédéon était un petit, il était enfant. Il était le plus petit de sa maison. Pendant que Madian est venu pour oppresser Israël, Dieu va appeler. Gédéon lui dit, vaillant héros. Mais lui, il était enfant. Il était petit. Mais quand il va entendre, ce n'est pas un homme qui lui avait dit ça, c'est Dieu lui-même. Dieu va l'appeler, il va dire, vaillant héros. Quand il a reçu cette révélation, il a eu de la force. Il a dit, ah bon, donc moi je suis un vaillant héros. Il a dit même au Seigneur, il dit, mais non, mais je suis le plus petit, nanani, nanana. Le Seigneur lui dit, non. Il a dit, bon, maintenant, Seigneur, peut-être que tu t'es trompé. Alors, montre-moi que ce que tu me dis là arrivera. Dis, bon, je prends un mouchoir, je le laisse là. Je veux que le lendemain que je trouve la rosée, que sur le mouchoir, pas tout autour. Et là, je saurai que tu vas me donner la victoire. C'est ce qu'on appelle la toison. Et quand il arrive le lendemain, il voit, il y avait de la rosée que sur le mouchoir. Il dit, ah non, c'est peut-être que quelqu'un est passé par erreur, il a versé un peu d'eau. Il dit, mais est-ce que tu peux faire l'inverse? C'est-à-dire qu'il y ait de la rosée tout autour, mais pas sur le mouchoir. Et le lendemain, le Seigneur a fait ça. Il dit, bon, le Seigneur, il était toujours hésitant. Il était toujours hésitant. Mais le Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui avait parlé, la parole de Dieu ne peut pas sortir de sa bouche si elle n'applique pas ce pour quoi elle a été envoyée. Vous savez, quelquefois, Dieu lui-même, il se met dans une situation difficile. Il a appelé Gédéon, vaillant héros. Et il fallait bien qu'il soit vaillant héros. Mais pendant ce temps, le vaillant héros, il a commencé à hésiter. Mais il fallait bien que cela arrive. Si Dieu t'a parlé, si Dieu s'est révélé à toi, cela va arriver. Amen. Cela va arriver. Tu pourras tout faire. Comme Jonas, Dieu lui parle, il va fuir. Mais si tu fuis, tu vas te retrouver dans le ventre du poisson. Et là, il va reconnaître que Dieu lui avait parlé. Tu ne peux pas fuir. David avait dit, où fuirai-je loin de toi? Tu es dans les eaux. Tu es dans les airs, tu es dans la pierre. Où est-ce que tu peux aller que Dieu ne te voie pas? Pendant que tu n'existais pas, mais tu existais dans la pensée de Dieu. Il te connaissait. Avant que ton père ne rencontre ta mère, il t'a connu, il te connaissait. Donc Dieu, personne ne peut être invisible aux yeux de Dieu. Et il aura fallu que cela arrive. On voit comment est-ce que le Seigneur a opéré cette victoire avec Gédéon. Il a donné la victoire à Israël. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu considères ton frère comme un vaillant. Si nous voulons une église forte, on doit se considérer mutuellement comme des hommes et des femmes. Amen. Des femmes. Amen. Tu dois voir ton mari comme étant l'homme le plus beau. Amen. L'homme le plus beau. Je dis qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autres hommes. Amen. Tu dois, quand tu vois ta femme, tu dois dire,
ma femme, c'est la plus belle. Amen. C'est la plus soumise. Amen. Ah, quand c'est comme ça, amen, ça sort de toi. Il faut le dire à ta conscience que ma femme, c'est la plus belle. Amen. Je n'ai pas à aller voir ailleurs. Amen. Pourquoi? Amen. Je suis pas un animal. Mon mari, c'est le plus bel homme du monde. Amen. C'est le plus élégant. Amen. Voilà. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que dans tout cela, vous savez pourquoi le Seigneur décide de se révéler? C'est pour accorder à l'homme de la valeur. L'encouragement nous accorde de la valeur. Quand le Seigneur dit à Gédéon, vaillant héros, il lui donne de la valeur. Alors si Dieu se permet de lui donner de la valeur, et qui es-tu pour ne pas donner de la valeur à ta femme? Qui es-tu pour ne pas donner de la valeur à ton mari? Qui es-tu pour ne pas donner de la valeur à ton pasteur? Il y a des bénédictions qui ne passeront que par ta femme. Amen. Hein, frère? Il y a des bénédictions, frère. Même ta mère ne pourra pas te dire ça. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? La vérité. Il y a des bénédictions qui ne passeront que par le pasteur. Amen. Tu pourras errer, errer, errer. Il va te dire non, retourne le voir. Amen. Amen. Vous savez, il y a un frère qui est allé pour solliciter un marché. Il parle, il parle, il parle. Le gars lui dit, mais écoute, on ne peut pas faire ça parce que ton dossier est mal monté. Lui, il va voir le maire. Il dit, ah, lui là, c'est un subalterne, moi je vais voir le maire. Alors, il va voir le maire. Le maire organise une réunion. Il n'y a pas de problème. Il dit, bon, je vais appeler un monsieur. Et ils entrent dans la salle. Il retrouve le même monsieur. Et le maire lui dit, bon, écoutez, hein. Moi, j'ai trop de boulot, vous allez négocier avec ce monsieur-là. Il se regarde, et le monsieur dit, mais je t'avais dit que ça ne marchera pas. Tu es allé voir le maire, mais tu es revenu. Et le maire lui dit, ah ben, s'il a dit que ça ne marchera pas, c'est que ça ne marchera pas, c'est lui mon œil. Hein. Donc, moi, je n'ai pas le temps de voir les dossiers, c'est lui qui voit les dossiers à ma place. Donc, voilà, si, écoutez, monsieur, je suis désolé. Hein. Quand il français dit ça, alléluia. Il est sorti. Il dit, non, il fallait négocier. Il faut négocier. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles il faut négocier. Avec la femme, il faut négocier. Amen. Alléluia. La femme, il faut négocier. Quand ça va mal, négocie. Le monde, parce que tu es fort. Non, négocie. Amen. Si tu es faible. Amen. Si tu verrouilles, ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Je sais que vous avez un cantique, moi je vois ce que je chante. Et Yahweh. Oh! Yeah.
devant. Descends, Seigneur. Continue à chanter. Continue à chanter. Oh, qui sont les qui sont les dans ta vie. Exaltation. Merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.